Bonjour chers abonnés, je suis ravi de partager cette consultation aujourd'hui et nous sommes le dimanche 22 mai 2022. Donc aujourd'hui on va découper la consultation en deux parties. Donc on va d'abord regarder, donc vous savez que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont élu leur gouvernement, il est validé, pour l'heure il est validé. Et on sent déjà, on entend, on voit dans la presse certains clivages et contestations qui se mettent en place. Donc le premier thème que je vais aborder, c'est ce gouvernement en place. On va regarder un petit peu ce qui tourne autour. Et puis le deuxième thème, ce sera la société française, la population, face à ce gouvernement. Regarder s'il y a une forme d'acceptation, de passivité, hein, par rapport au gouvernement, ou au contraire, si on sera dans la contestation et le refus de ce gouvernement. Donc on va d'abord attaquer sur ce gouvernement qui a été dévoilé donc cette semaine. Je le mets en perspective et on va regarder au sein même de ce gouvernement ce qu'il se passe. Donc sur les, évidemment sur les premières lignes, les trois premières lignes, si nous avons les ciseaux, les cartes habituelles, hein, chat noir, chauve-souris, on verra un petit peu, enfin ça traduira malheureusement que entre ministres et puis différents ministères, l'entente va être difficile. Donc on se concentre dessus et je regarde un petit peu ce qu'il en est. Alors, on voit ici l'image qui est donnée, vous voyez, la Providence et l'Union. Donc ça, c'est le gouvernement. On veut symboliser l'Union, le gouvernement qui est élu, donc l'ensemble des ministres, en fait, et l'ensemble des départements et des ministres au sein du gouvernement. Et on a la Providence dessus. Donc visiblement, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, au niveau de l'État, c'est plutôt positif. Leur choix, le choix du gouvernement, leur paraît très très positif en fait. Hein. Je fais attention à ce que vous voyez les cartes. Donc on est sur une carte, vous voyez, par rapport à l'Union, par rapport au gouvernement, on est sur une carte soleil. Donc en fait, le gouvernement pense avoir fait les bons choix dans l'élection, dans la sélection, pardon, de leur ministre. Donc on va regarder un petit peu plus loin. Alors, on se lance. On a la carte bleue. Alors, carte bleue, c'est la généralité, hein, pour ceux qui me suivent. En fait, vous savez que pour moi, ça représente la civilisation, la société, la généralité. Et on voit la stérilité qui sort. Donc, très, très étonnante, cette carte, on va regarder. Et la maladie. Donc, en fait, malgré, vous voyez, le choix de Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, on voit tout de suite dans ce gouvernement en place, hein, on va dire la généralité, ça représente, c'est un peu l'extension de l'Union, on voit la stérilité, la maladie qui est déjà installée, en fait. Et la chauve-souris, oui, 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 et la chauve-souris. Donc, en fait, déjà, au sein même du gouvernement, en termes de personnalité, en termes de croyances politiques, on voit que la chauve-souris est assez violente, hein, c'est la perte. Donc, on voit perte, stérilité, maladie, que le choix, en fait, d'avoir mixé toutes ces personnes différentes n'est pas un bon choix. Et puis, on va aller vers les clivages au sein du gouvernement. Et on a la destinée, en fait, qui va nous symboliser, malheureusement, qui vient fermer cette idée que le choix n'est pas bon. La clé vient sceller en disant que voilà, les choix qui ont été faits, ils sont actés et le devenir est ici en fait. Hein. Et on voit que la passion s'installe, mais la passion avec la chauve-souris nous symbolise toujours une passion très négative, le clivage par excellence au sein même de ce gouvernement. On va aller un petit peu plus loin et nous avons la carte de la ruine. Donc en fait, ça s'annonce très très compliqué en fait, eux-mêmes face à eux-mêmes. Vous voyez dans un premier temps donc les conséquences pour les Français. Dans de telles conditions ne s'annonce pas comme étant joyeuse. Mais je m'avance peut-être, hein. On va voir après en seconde lecture, mais on voit la maladie, la ruine et la grâce, le but et la sagesse. Alors on voit, la grâce, elle a une signification toute particulière quand elle est combinée en fait à la carte bleue et à la clé. Elle nous dit qu'effectivement la grâce va être une généralité, la passion, la maladie sur la grâce. Donc je pense que ça va symboliser un petit peu ce que génèrent les personnes en elles-mêmes, hein, ces ministres en fait, leur énergie, leur spiritualité profonde en fait dans ce gouvernement qui sera
selon les croyances de chacun et chacune, qui sera quand même mis à rude épreuve, en fait, hein, sera mise à rude épreuve, sa spiritualité, ce qui constitue la personne en elle-même. Et ici, nous avons la sagesse qui va symboliser les ministres, en fait, hein, puisque l'aigle étant le supérieur, la présidence. Donc on voit, je pense qu'il va se passer des choses et que les ciseaux devraient sortir ou la faux. À mon avis, on aura probablement du provisoire sur certaines personnes qui sont mises en place. Donc les ciseaux vont symboliser s'ils sortent la coupure, mais aussi le judiciaire. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, sur la carte bleue, donc on voit, c'est la découverte ici, effectivement, ce sont des gens qui se découvrent et qui découvrent pour la plupart la fonction de ministre, donc ça tombe dessus sur la carte bleue, ce qui est logique. Sur la stérilité, une autre carte très fermée, on a la prison. Donc on va voir à quelle mesure, en fait, dans quelle mesure elle nous sort cette carte prison, mais effectivement, il semblerait que à l'intérieur même du gouvernement, les avis soient tranchés, en fait, déjà, et les gens ne sont pas prêts, ces personnes ne sont pas prêtes, visiblement, en fait, au partage et à la coalition au sein du gouvernement, parce qu'on a deux cartes très lourdes, en fait, de statisme, en fait, et de retrait. Et la chauve-souris à côté n'est pas guette-guette. On voit l'homme. Ouïa. Alors, qui est-ce ? Alors, on voit qu'effectivement, alors le domaine de la santé, donc ça n'est pas l'homme, c'est une femme, ça va être un dossier très, très, très compliqué au sein du gouvernement, et je pense que la présidence, hein, la tête de ce gouvernement risque d'être déçue, la maison de la santé. Donc, je m'avance, on va voir un petit peu. Alors, on va assister à des déclarations, visiblement, en fait, de la part de certaines personnes au gouvernement, un peu abracadabrantes, je pense, des déclarations très, très étonnantes. Hein. On a la rue qui vont provoquer quand même une gêne assez importante dans le gouvernement. Alors, la roue du hasard avec la clé du destin, c'était évident. Et on est sur les blocages. Alors, ça va être très, très dur. Hein. Ça va être très, très dur, en fait. Et on a la faux. Oui. Alors, il y a une histoire de justice ici, ou plusieurs histoires de justice. On a les plaisirs, la chauve-souris, souvent c'est relatif en fait à des accusations très particulières, en fait, au niveau, on a l'homme malade ici, au niveau, comment dire, hein, sans choquer personne, au niveau abus sexuels et ce genre de choses, vous voyez, bon, c'est le mot qui vient, hein, c'est comme ça. Donc on va avoir des déclarations très étonnantes de la part d'un homme ici, peut-être un problème de santé, ou c'est lui, en fait, une situation malade, et qui concerne des abus ici, et je pense que là, du coup, la prison, on va avoir une valeur de justice qui va ressortir ici, donc on va voir, hop, à quel niveau. J'attends toujours la foule. Donc effectivement, ça va être très très dur. Vous voyez, l'union n'est pas sortie, le rassemblement n'est pas sorti, la coalition, en fait, cette idée de mouvance générale, un même but pour tout le monde n'est pas sorti du tout. Au contraire, on est sur des personnalités totalement opposées, différentes, et des croyances qui ne sont pas compatibles, en fait. Alors, sur la découverte, alors la table, ça, ce sont les réunions, hein, c'est les conseils ministériels, en fait. Alors, le conseil ministériel, les réunions, enfin, toutes les réunions ici, on voit qu'il y a des choses cachées quand même. Hein. On a la carte de la méchanceté symbolise les choses cachées derrière les barreaux. Donc, on voit qu'effectivement, sur certaines personnes du gouvernement, des choses vont être révélées par la découverte qui va mettre à mal encore un petit peu plus les clivages, en fait, qui sont déjà en cours. Mais d'autres, vous voyez, d'autres révélations vont tomber ici. Alors, bon, il y a du départ, hein, il y a du départ du gouvernement. Donc, en fait, on est sur de la démission, sur du départ. À peine commencé, on va assister déjà toujours de cet homme ici, hein, dans cette situation malade. Il y a un départ d'assuré à ce niveau-là. Et on a la femme, hein, la ministre de la Santé ici. Ça va être très, très compliqué pour elle, ce qu'elle souhaite apporter. Ministre de la Santé, puisqu'on a la carte de la maison de la Santé au-dessus. Et puis, on
on a cette idée en fait de réforme des hôpitaux et du système santé, ça va être très très dur, je crois, quasi impossible d'apporter en fait pour elle quelque chose. On va aller un petit peu plus loin. Alors, qui dit départ dit arrivée. Donc, on va avoir un turnover en fait au moins d'une personne, de cet homme là, sur les jours, les semaines qui viennent, c'est une certitude. Et on a l'arrivée d'une personne couronnée. Donc, on va voir qui est aimé du gouvernement, jeune. Là, c'est le président qui sort ici, ministre et président. C'est intéressant que les deux soient sur le même vecteur, le même cycle. Alors, on regarde, on va un petit peu plus loin. En revanche, sur le thème de la jeunesse, sur le thème du loisir, du tourisme, la jeunesse, les choses sont très, très positives. Au niveau, on va voir si l'entreprise sort là pour le secteur de l'emploi des jeunes. Mais ce ministre ou cette ministre, je ne les ai pas tous en tête, ça s'annonce très, très positif. Alors, oh là là, le chat noir qui tombe sur les choses cachées, la trahison. Donc, il y a des choses qui vont être révélées sur certaines personnes du gouvernement, très, très lourdes, en fait, et très choquantes, puisque le chat noir symbolise quand même le fond du fond. Hein. Donc, attention, ici, je pense qu'il y aura... Il y a de l'arrivée, hein. Il y a du départ, ici, prochain, dans, dans ce gouvernement. Et on voit la carte de l'amitié, l'homme ami, en fait, hein, c'est quelqu'un de nouveau, l'homme ami au président, à l'aigle ici qui va prendre la place de cet homme qui va partir là les jours prochains. On est sur un personnage connu et on est sur un personnage très proche en fait d'Emmanuel Macron qui rentrera prochainement dans le gouvernement. Alors la famille est très particulière, je ne sais pas à quel... Oh là là. Voyez les clivages, les corbeaux symbolisent toujours la dispute, en fait, l'opposition. Donc ça s'annonce quand même très très compliqué. Et on a l'emploi, hein, l'entreprise qui tombe là, comme prévu. En fait, donc le marché de l'emploi pour la jeunesse, en fait. Probablement ce qui touche aussi à l'emploi au niveau intermittent, spectacle, cinéma, enfin tout ce milieu-là. On a de belles annonces hein, par cette femme ici. On a pour la culture de très belles annonces. Donc ça, ce côté-là est repris en main de belle manière, ça c'est une bonne chose. Il y a au moins ce côté-là. Donc on a l'incertitude hein, face au président au niveau des choix par la nouveauté des annonces qui ont été faites. Donc je ne pense pas qu'on a lourdement réfléchi, mais on n'a pas fait les bons choix sur l'ensemble en fait. Et on voit qu'effectivement les changements ils sont là. Donc les changements dans un premier temps, l'art, la culture, la jeunesse, l'emploi, c'est très bon. Après il y a l'emploi, la grande famille de l'emploi, le chat noir. Moi, je pense que des annonces vont être faites sur le marché de l'emploi concernant. Ça va mettre à mal cette personne au niveau de l'emploi. Je pense que c'est Elisabeth Borne, en fait, puisque la femme est là. Bon, on en a déjà parlé la semaine dernière, je ne vais pas revenir. Et on voit, vous voyez, la présidence ici, l'aigle, le président avec la carte de l'État dans une forme d'opposition. Il va devoir trancher sur certaines personnes à moyen terme de son gouvernement sur lequel il a porté en fait son affirmation avec Elisabeth Borne, puisqu'on voit l'homme en fait faire le président, l'aigle, faire intervenir par la nouveauté de nouvelles annonces concernant l'entrée de nouvelles personnes au gouvernement, puisque là il y a une sortie voire des sorties en fait. Donc on est sur du provisoire, c'est une certitude, et je pense que les réglages vont être faits au fur et à mesure que les semaines vont s'installer, mais pas des choix de partir pour incompatibilité d'humeur hein, ou professionnelle. C'est que des révélations, des choses cachées, des révélations vont être faites concernant certaines personnes. Les ciseaux, si nos ciseaux tombent là, inévitablement on affaire à du juridique, donc on va regarder. Alors ici nous regardons. Alors, on voit l'infortune sur le président face à des personnes. On a les ennemis révélés. Il y a un scandale financier, là encore, une prise de position illégale, détournement, quelque chose comme ça de la part d'un homme ici. On voit l'argent du serpent qui est là et qui le mettra très très à mal en fait. Là, il y a quand même des choses plutôt sympathiques concernant l'habitat,
concernant la maison, le loyer, l'habitat en général. C'est pas la banque, c'est l'habitat. C'est plutôt sympathique. On a de belles propositions qui tombent ici. Et on a la pyramide, malheureusement, sur le chat noir. C'est-à-dire que le clivage, les clivages vont aller crescendo, en fait, dans ce gouvernement. Et la stabilité n'est pas de mise pour l'instant. Du tout, du tout, du tout. Donc, c'est dommage d'avoir opéré ces choix. Je ne sais pas, ils sont partis sur des choix de personnes très technocrates, en fait, hein, très comme ça, sans prendre en compte réellement peut-être le facteur humain. On va regarder. Bon, l'héritage, hein, c'est-à-dire que sur ces scandales, ces choses-là, sur ce qui sera révélé pour certaines personnes, c'est déjà en cours, hein, puisque l'héritage, c'est les choses d'hier. Et vous voyez, les choses d'hier réapparaissent par la nouvelle, en fait. Hein. La foudre qui s'abat, le procès sort là. On va avoir, voyez, des mises en examen, pas une seule, hein, pas qu'une seule, il y en aura d'autres, en fait, au moins trois, de certaines personnes qui se trouvent, en fait, dans ce gouvernement à l'heure d'aujourd'hui. Et les ciseaux font référence, en fait, ici, à la prison, au tribunal, face à ces révélations, en fait, hein. Et sur l'argent, voyez, l'union, elle arrive tout en bas. L'union, c'est la coalition de ce gouvernement, et on a la dualité totale, puisque nous avons, en fait, les deux coqs, nous avons la foudre qui s'abat, et nous avons la scission au sein du gouvernement. Donc l'entente ne sera pas cordiale, bien au contraire, ça va être difficile pour les uns et les autres de trouver un vecteur, un chemin d'entente, en fait, et de proposer à la population une image de coalition et d'entente. Pour moi, ça n'est pas possible. Et on voit que les ciseaux sur la chaîne ici, des décisions de couper les engagements, les contrats, donc des gens qui se sont engagés sur ces postes-là, au moins, oui, plusieurs, hein, les engagements par écrit, d'élections, voilà, au poste de ministre et autres, en fait, hein, c'est la chaîne, ils seront coupés. Donc on est sur du provisoire, en fait, au niveau de ce gouvernement. Et vous voyez la dernière carte, très étonnante, c'est le trafic. Le trafic, c'est la négociation. C'est, je pense, les arrangements, la négociation. Donc on est sur un gouvernement qui va être renégocié encore et encore. Et on va avoir de la stupeur sur certaines révélations. C'est une certitude financière, plaisir avec la chauve-souris. Donc un petit peu compliqué, en fait. Mais on voit le ministre, vous voyez, un ministre par le hibou, on a l'État, l'aigle, et entre les deux ministres, on a la faux qui symbolise, en fait, la coupure du président face à ses ministres, et on a la malchance, l'infortune, en fait, sur l'aigle. Donc, en fait, oui, 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 je répète. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, on va aller un petit peu plus loin, on a fait l'instance, en fait, politique, je vais regarder maintenant la société. Comment est sa réaction? Comment elle va se positionner face au gouvernement? À savoir si on aura de la manifestation, du refus, du rejet, ou si on sera dans une forme d'acceptation, de passivité. Donc on va regarder un petit peu. Et à cela, j'ai envie de regarder quand même profondément l'état de santé, en fait, intellectuelle et morale de la population pour ces semaines qui viennent. Ce sera intéressant de déceler si on est sur des annonces plutôt neutres ou autres, en fait. Alors, je me concentre sur nous, sur les Français, sur la société, sur la population, face au gouvernement qui vient d'être élu. Donc, à savoir si on est dans l'acceptation et qu'est-ce qu'il se passe, Justin. Alors, on se concentre, on est sur l'intelligence. Oula, la population est fermée aux élections. Ça, c'est, vous voyez, c'est la manière officielle d'élire les déclarations, les écrits, l'élection de ces personnes au poste, et on a la prison. Donc, effectivement, la prison, la société est retranchée derrière les barreaux. Donc, c'est une double lecture. Mais la première signifie qu'on est dans une très grande méfiance, voire un refus de ce qui a été édité pour le gouvernement, en fait, hein, par les choix du gouvernement. La prison, c'est toujours cette idée de retrait, de refus assez profonde, hein, auquel, malheureusement, à laquelle, en fait, hein, cette carte, elle correspond vraiment à quelque chose de très, très fermé. Alors, 2, 4, 6, 8 et 9. Alors, on se lance sur nous, la population, et on va regarder un petit peu les conséquences dans un premier temps.
Ben, ça commence fort, hein, voyez. On a les corbeaux. Les corbeaux, en fait, c'est la critique, la dénonciation, le refus. Donc déjà, face au gouvernement en place, hein, donc la population est dans dans la délation, dans le refus, une énergie assez complexe. Hein. Donc ça commence très très fort. Et on a la roue du destin, donc la conséquence de ce qui a été fait par le gouvernement. Donc inéluctable, l'histoire ici va s'inscrire comme étant logique, puisque le gouvernement a élu, en fait, a mis en place ces valeurs en fait ministérielles, et le destin prend sa place, l'histoire prend sa place. On a les pénates, vous savez que les pénates pour moi symbolisent le pays, la ville, le pays, la nation, donc on regarde, et on est sur une quand même le bateau, l'incertitude, hein, le bateau ivre ici, l'incertitude, donc la population va rester méfiante, exigeante peut-être, mais dans le refus, dans un premier temps, et avec ce bateau ivre. C'est vraiment la grande indécision. Et on regarde. Alors, il y a peut-être, il y a entreprendre ici l'entreprise, on va la jumeler. Il y a peut-être cette idée, en fait, de voir qu'est-ce que ce gouvernement va entreprendre, en fait, dans un premier temps. Donc, on va regarder. En revanche, vous voyez, on a l'infortune. L'infortune, en fait, c'est pas de bol pour nous, grosso modo, si je dois résumer, en fait. L'infortune par rapport à la population qui est ici, la ville, la nation, l'infortune qui s'abat. Et on va arriver inévitablement, vous voyez, dans peu de temps déjà, on a les ciseaux, donc c'est la population face au gouvernement. Et je pense pas que l'adhésion soit pleine et entière, puisque les ciseaux nous annoncent une scission dès ce printemps-été, en fait, dès ce printemps-été. Là, maintenant, les semaines qui viennent, une scission face au gouvernement, et la première, le bonheur. Donc ça, c'est le bonheur perdu par les ciseaux, en fait. Hein. Donc, les espoirs déçus, on va regarder pourquoi, qu'est-ce qui engendre tout de suite, si c'est dû aux mesures, aux impositions, aux réformes, en fait, qui vont être engagées. Après, j'aurais envie, la semaine prochaine, de travailler sur l'évolution de l'écologie. Je sais que c'est important, mettre en relation, en fait, la météo, ce réchauffement climatique et l'écologie en Europe et spécialement en France. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, vous voyez, alors, la population ici, quand même, les corbeaux, il y a une forme de soulèvement, de contestation, on va l'appeler comme ça, pas très violent dans un premier temps, mais vous voyez, la nation qui se soulève, on a la stérilité en dessous. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement risque, on va voir des cartes probablement de statisme, comme le retard, le gouvernement ne va pas entendre dans un premier temps. Il y a une forme de statisme, de stérilité qui est très marquée. Alors, on a le renouveau. Est-ce que c'est le renouveau du gouvernement? Je regarde. Alors, beaucoup d'annonces ici, la parole, donc des nouveautés de l'annonce ici, mais ça n'a pas l'air de convaincre beaucoup dans la population, puisque la population, avec l'héritage ici, pense que les choses d'hier, qui étaient hier, sont aujourd'hui et seront demain, et comme la vie n'est pas très positive. Alors, en revanche, quelques annonces concernant la profession, le travail, ça rejoint tout à l'heure, ont l'air de faire plaisir, ont l'air d'apporter un petit peu de baume au cœur dans tout ça. On a le trafic, alors on va regarder. Maison de santé, trafic, c'est aussi, comment dirais-je, le milieu hospitalier. Je pense que là, bientôt, printemps, été, donc on arrive été, je pense qu'on va commencer, l'État va commencer à agir au niveau de la sphère de la santé, de l'hôpital, par des annonces, des choses. On va regarder comment c'est accueilli. Et on a la ruine, oui. Et sur la maison de la santé, la dualité, le conflit. Alors la grâce est intéressante, on va regarder après. Donc là, je pense que les annonces qui vont être faites concernant tout le secteur de la santé vont rencontrer un refus et une coupure dans la population. Alors j'espère qu'il ne s'agit pas du retour de la Covid et des annonces d'obligation, on verra. Pour avoir des annonces d'obligation, de passe vaccinal et autres, il nous faut la chauve-souris, la maladie, puisque la piqûre est là en fait. Donc on va regarder si ça sort ou le chat noir. Mais pour l'instant, vous voyez, la population accueille une petite partie des annonces concernant l'emploi. Donc, il y a peut-être de l'augmentation, une forme de faveur concernant le monde du travail ici. Mais en revanche, le domaine de la santé, on est dans quelque chose de très, très fermé. Hein. Les paroles ici, très, très fermées, et le mécontentement s'installe. Et tout de suite, hein, cet été, la rentrée, on est dedans. On va aller un petit peu plus loin. On va regarder sous les corbeaux la chauve-souris.
Donc, malheureusement, alors on voit que le gouvernement va essayer en fait d'apporter des choses dans la société. Tout n'est pas noir, hein. On a les annonces, la découverte par la parole ici, les annonces, la renaissance. On va aller un petit peu plus loin, on va regarder. Alors, toujours cette femme de la santé probablement. Là, je pense, je les ai plus en tête, ça change régulièrement, vous voyez, entre les remaniements, il y a des noms qu'on ne connaît pas beaucoup. Donc on a cette femme de la santé, en fait, qui va essuyer les foudres, ça va être terrible, hein. Je réitère pour elle, en fait, ces réformes vont être très très dures, on va voir si c'est pas le travail, madame Elisabeth Borne non plus. Alors, il y a quelques belles annonces quand même, hein, pour essayer d'apaiser les choses, mais on voit que les annonces professionnelles, la foudre s'abat sur le travail, la perte... Ouf, la jeunesse, voilà, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Les belles annonces concernent la jeunesse dans le milieu médical, mais la jeunesse aussi dans le milieu professionnel. On a de très gros efforts qui sont faits, c'est une bonne chose. Donc ça rejoint la tour, la population. Et on a, vous voyez, on a des annonces sur le plan financier. De l'apport d'argent pour le milieu médical et totalement, je pense, comme on a la chauve-souris, totalement. L'argent pour la jeunesse, l'argent pour le travail et la jeunesse, en fait. L'argent pour le monde hospitalier, mais on a la perte. Je pense qu'on va voir un durcissement des mesures concernant la sphère en fait de l'hôpital là bientôt. Les annonces vont être assez chocs, hein, concernant les moyens et de l'obligation qui ressort ici. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Donc le moral, vous voyez, le moral, si je dois résumer dans un premier temps, bon, c'est comme d'habitude, on est dans des clivages en fait de l'opposition dans la société qui n'est pas forcément entendue. Donc si on a la renommée qui sort ici, ça va représenter les syndicats, ça va représenter quelque chose de plus fort, de plus légitime avec manifestation, on va voir, mais il nous faut une valeur officielle. Alors, on regarde. Il y a la désunion dans la population aussi. Malheureusement, on a l'union ici, la désunion, on a les ciseaux sur la ligne. Il y a la désunion dans la population. Donc, je pense qu'au sein du pays, on n'est pas sur une unité. Hein. La fracture depuis cette histoire de passe vaccinale, elle va s'accentuer encore un petit peu plus dans la population. C'est une certitude. Alors, on ne sait pas qui c'est celui-là. Ah, vous voyez, dans la grande famille, hein, la grande famille, le chat noir qui sort. Bon, là, ça ne me plaît pas par rapport au pass vaccinal. On ne va pas aller plus loin, mais ça ne me plaît pas beaucoup. Alors, sur le guet, on regarde. Donc, c'est de l'argent, vous voyez, je pense qu'on va nous dire qu'effectivement, le thème de l'argent est bloqué, perte d'argent. Donc, on va faire des constats. Je pense que le gouvernement, avant de faire des annonces, va faire des constats de la situation financière, en fait, hein, de la nation qui est là, de la population. Avant d'agir, les constats sont mauvais. Donc, des annonces autour de tout ça. La population, hein, pour moi, elle se scinde, hein, en plein milieu. On voit les conflits qui s'installent, la stérilité, on a la perte ici. Et on voit ici la faux qui intervient. En fait, hein, qu'intervient ici dans la nation. À mon avis, je pense que il y aura une division encore un peu plus marquée que ces deux dernières années dans la population française face aux mesures et face au gouvernement. Mais dans l'ensemble, on voit que, à part ces annonces, elles sont que annonces, hein, l'action n'est pas là. On voit ces annonces d'argent sur le travail, la jeunesse, sur la santé, elles sont ici. Elles sont, ça c'est de la belle annonce. Alors le travail et la jeunesse, le spectacle n'est pas sorti encore, mais le travail et la jeunesse, c'est accepté. On a les honneurs, c'est très, voilà, c'est très plaisant. Mais en revanche, je pense qu'il y a une restructuration sur le domaine de la santé qui s'amorce ici, en fait. Hein. Les sommes avancées ne sont pas suffisantes. Donc il y aura l'idée de derrière, de faire des choses supplémentaires. Alors la passion s'installe, ça c'est évident. Et voilà, on arrive aux tables rondes, hein. On commence ici la table pour parler de ces annonces, donc on arrive aux tables rondes, aux tables des contraintes en fait concernant la restructuration, et on voit que c'est pas du tout accepté en fait, hein. Le serpent, la méchanceté, ça n'est pas du tout accepté, et on a l'État qui sort ici. Donc la table ronde, ce sont les syndicats, donc on peut présumer que ce sont des mouvements de grève qui vont s'installer. Hein, on sent de par le conflit, par les deux coqs, c'est le conflit, c'est la scission en fait qui s'accélère, qui s'agrandit dans la population. Donc on est sur une période en fait d'imposition de l'État, de refus dans la société de ses propositions, donc qui concernent à double tranchant le travail, le domaine de la santé, c'est évident. Et on a quand même ici quelque chose de particulier, un ministre de la Justice. En fait, alors je ne sais pas, je ne dirais pas non, il y en a deux, peut-être garde des sceaux justice.
justice, il va se passer des petites choses un petit peu complexes. Ici, envers un événement, je pense, un événement un petit peu complexe dans la société, un petit peu sombre, on va beaucoup parler de l'un des deux, ou voir les deux. Quelque chose d'un petit peu lourd, là, bientôt, d'ici 15 jours, 3 semaines. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on a les arts. Alors, il est évident que les décrets vont tomber, les obligations par le président ici, par les papiers, mais ça ne va pas générer quelque chose de très, très, très sympathique. Et là, il y a beaucoup de choses concernant la maladie, l'état actuel, le domaine de la santé, mais aussi la crise sanitaire qui ressort ici. La dernière carte, bon, c'est la bleue, c'est vous, hein, c'est la société, c'est la population, la civilisation. Alors, ce que je peux dire, c'est que dans un premier temps, les annonces sont faites, quelques belles annonces avec du moyen attribué, mais dans le fond, en fait, hein, là, ça, c'est la forme. Sur la forme et dans le fond, concernant l'emploi, la jeunesse, l'art est sorti là, le monde de la culture, ce sont de belles annonces. Hein. Il y a de l'argent. En revanche, concernant le monde médical de la santé, c'est très complexe et ça va virer en eau de boudin, c'est une certitude. Les conciliations ne vont pas aboutir entre les syndicats et l'État, puisqu'autour de la table, on a le chat noir, face aux propositions faites par l'aigle ici. Donc, elles n'aboutiront pas. Donc, je pense que ça va être un petit peu complexe et là, des mouvements. On peut parler de grève, hein, de courant, de manifestation, de grève, en fait. Hein. C'est une certitude qui sort ici. Et au niveau de l'État, c'est très, très complexe. Hein. Moi, je pense que j'ai un président qui sera isolé. On a la prison à côté de manière symbolique. Hein. C'est quelqu'un qui sera très isolé face à son gouvernement, en fait. Ça va être très, très complexe. Donc, voilà. J'ai envie de regarder, puisque moi, de mon côté, ce que je ressens, ce que je constate, c'est que la population se divise en trois catégories, trois grandes catégories. Il y en a d'autres, mais les trois majeures, c'est qu'on a quand même une partie de la population en France qui est dans une mélancolie, une profonde mélancolie, en fait, hein, qui a du mal à avancer, à réagir. Et de cette mélancolie, il y a différents degrés, mais on peut aller très loin, vers le bas. Il y a l'autre partie, en fait, qui est vraiment dans une expression de contestation, de violence. Et on a la troisième partie qui est au milieu, mais qui est sur le point d'aller vers la droite ou vers la gauche, voyez, puisqu'à un moment donné, continuer dans les conditions actuelles va être très, très difficile. Et j'ai envie de poser la question, en fait, au niveau moral, juste qu'on nous montre quelques cartes, en fait, que là-haut, ils nous répondent, en fait, sur le devenir un petit peu du moral, de l'état de santé intellectuel, en fait, de la population française sur les semaines qui viennent. Alors, si on a des cartes rouges, hein, on sera beaucoup dans la revendication, la violence. Si on est au contraire sur du soleil, une forme de passivité. Et si on a d'autres cartes, en fait, qui ont un attrait à l'intellect, en fait, à la maladie, on sera sur un, on peut l'appeler un, on va dire, baisser les bras, vous voyez, une acceptation un peu passive et on baisse les bras. Alors, je m'interroge, hop, la passion, le trafic, hein. Donc la passion, elle est bonne et mauvaise à la fois, et le trafic, c'est la négociation, c'est l'arrangement. Donc on va poser, en fait, hop, si vous les voyez, on va faire un carré et on va regarder ce qui se dégage de ce carré, en fait. Alors, on va faire comme ça. On va voir un petit peu. Donc, comme ça, pour les personnes qui sont un petit peu plus fragiles, voilà, en ayant ce type de questions et de réponses, ça pourra éventuellement permettre de se protéger un petit peu plus intellectuellement, de prendre du recul. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Alors, la couronne, le chat noir, il y aura beaucoup, hein, beaucoup de Français veulent partir, hein, beaucoup de Français commencent réellement à se projeter à l'étranger, soit dans l'Union européenne, soit plus loin, mais il y a beaucoup de départs, en fait, un départ des villes pour aller en campagne. On a beaucoup de départs carrément du pays pour aller dans d'autres pays frontaliers à la France, voire beaucoup plus loin, je le rencontre régulièrement. Et on voit, bon, qu'on a le chat noir, le blocage, la maladie,
La santé qui ressort, les nouvelles mesures, la famille. Il y a ce désir, vous hein, voyez, le départ qui est là de quitter, de recommencer la campagne. Hein, ça fait référence à l'étranger, mais aussi à la campagne, la proximité. Et on voit malheureusement qu'il y a un fatalisme qui s'installe avec le blocage des choses d'hier qui sont là demain. Vous voyez la situation négative. Donc il y a une forme de passivité quand même, en fait. Hein. Puis le thème de la maladie, on sent que dans la population... On va voir si le livre sort, qui symbolise un peu l'intellect, le moral et l'intellect des gens. On va voir. Mais il est clair qu'il faut profiter au maximum de la période soleil de cet été, puisque la rentrée, l'automne, s'annonce très étonnante, en fait. Alors, la table. Voyez, on a le chat noir. Donc, ça, c'est le grand problème de la population. Hein. C'est le chat noir sur l'argent. C'est le manque qui s'installe. L'argent trahi. C'est le manque qui s'installe. Et la table fait référence à l'inflation hein, sur les produits alimentaires. Et comme je vous disais, bon, il y aura, pour ceux qui ont la chance hein, du mouvement, l'aller-retour, un voyage, mais on voit que ça augmente. Hein. On est sur l'augmentation des départs à l'étranger, des départs des villes, hein. C'est une certitude. Alors, le plaisir, c'est une bonne chose ici. La contestation, on va recouvrir le plaisir, pourquoi on nous sort le plaisir. Hop. Voyez, c'est cette idée que les belles choses, les bonnes choses sont en train de partir. Hein. Les plaisirs de la table, tout ce qui tourne, en fait, aux petits plaisirs en fait, qu'on peut avoir dans la société, au quotidien, sont coupés. Donc, de les voir s'éloigner, en fait, et on est sur les deux coques, on a la stérilité. Mais écoutez, voilà, la prison, l'enfermement et la présidence. Et... Donc, en fait, c'est le moral et ça rejoint ce que je constate, en fait, une partie qui sombre un petit peu, vous voyez ici, dans le retrait, de se protéger, dans le retrait, de se mettre à l'abri, une partie qui part à l'étranger, mais de manière générale, on est sur la contestation, on est au centre avec les deux coques et les blocages par rapport au pouvoir d'achat où l'argent file en fait à une vitesse grand V. Qui fait référence au plaisir en général, sortie, machin, vacances, et la table, hein, la table, l'alimentaire. Donc en fait, vous êtes beaucoup, beaucoup inquiets à l'heure d'aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une bonne chose d'attendre du gouvernement? Je ne sais pas, puisque les clivages qui ont déjà commencé le lendemain des dénominations vont perdurer. Donc on va voir, hein, là on parle des prochaines semaines, bon après, tient à chacun évidemment de créer sa réalité en fait, hein, sachant ça, en se disant bon voilà, les choses elles sont pas toutes lumineuses, donc qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour me protéger et améliorer mon quotidien en fait, hein, ça c'est important. On ne dépend que de nous-mêmes à la base, hein, il ne faut pas l'oublier, c'est très très important. Je le dis à chaque consultation, on a ce pouvoir de décision, en fait. Hein, les décisions d'aujourd'hui et la construction de votre avenir. Et ça, c'est très important de le savoir. C'est ce en quoi la vie est magnifique, puisqu'on peut décider de tellement de choses dans sa construction du destin que tout est possible. Donc voilà pour cette petite consultation. Moi, je vous souhaite une très très belle fin de week-end, un bon dimanche. Et je vous dis avec grand plaisir à dimanche prochain.